Ona sasa, ona, 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 Anapanda mumuti bila mdamu. Alipanda mumuti. Na kumbe anaji panda miti kubudu usimepera hapo mdamu. Unaona kuna siku ya mkichwa ni sniper. Meya mji wa Goma amekataza ile maandamano. Mnasema namna gani? Mimi namheshimu meya wa mji kama meya wa mji, lakini meya wa mji haiko yule ya nabii, hajue mahali gani nabii anapata mambo yake. Labda lazima kuwe nabii ndipo anaweza kuzuia nabii asifanye kazi. Kwa sababu gani hakuzuia Mahomea asifanye kazi yake? Kwa sababu gani meya wa mji hakuzuia Elia au Kimbangu asifanye kazi yake? Kwa meya wa mji akizuia ile, manake iko kuservice ya waimperialiste, kwa sababu sote tunapigania uhuru kamilifu wa nchi yetu katika Kongo na bara nzima la Afrika. Kwa hiyo meya wa mji haiko Mungu. Sisi tuko na mission propre kutoka kwa Mungu muumbaji aliumba mbingu na nchi na mababu zetu, ili kuwania kikamilifu uhuru kamilifu wa nchi ya Kongo na bara la Afrika. Na hatuwezi kurudia nyuma kwa sababu meya wa mji alikatala. Meya wa mji hawezi kuzuia Mungu asifanye kazi yake na taifa lake. Kama ataweza, kama ataweza zuia, basi azuie kwanza hii mauaji yote na mateso yote yenye mkongomani anapata kama iko na uwezo. Lakini Mungu mwenye uwezo anajua njia ya hii maandamano, na kufukuza wavamizi ndio italeta usalama katika nchi ya Kongo na Afrika. Hapa kwenye Mesiata uwezo wa neno, tunaondoka kama kawaida yetu. Hakuna kusema, hakuna kushambuliana, lakini kusema ukweli, yeyote atakayetushambulia, mababu wetu marenkarnasio zao ziko nasie, watafanya kazi. Na mtaanzia hapa mpaka munaenda mpaka wapi? Tunaenda mpaka kuuanja wa mababu zetu pale kuervea, kama kawaida vile Mungu alituelekeza tuende katika maandamano. Lakini pale ku Monisco, mko siri mtaingia? Monisco bo sijue, umewahi kusikia hata siku moja mtu ambaye mwami mwalia alizala mtoto anaitwa Monisco katika Kongo? Kwa hiyo hii ni mambo ya asili, ni mambo ya authenticity, ni mambo ya utamaduni wa Kiafrika. Monisco wasipoiheshimu, kwa hiyo manake wanataka vita na wakongomani na Waafrika wote kwa jumla. Kwa hiyo wanatakiwa waheshimu ya kwamba hiyo ni uwanja wa mababu, na mababu wamechagula pale kufanya kazi yao, na sio pale tu lakini katika Kongo yote. Kwa hiyo sio pale tu lakini Monisco anahitaji kuondoka mkongo yote iwezekanavyo, na hawana muda zaidi. Hawana muda zaidi, tarehe 13 hazitaongezwa tena, labuda saa 10 au ngapi, ni saa 6 tu wanaondoka. Precaution gani mnakamata zidi ya watu kutokulumia? Watu hawatalumia kwa sababu tumefanya maandamano mingi ambayo watu hawakuumia. Ikiwa serikali inapenda kusaliti taifa lake, kwa sababu serikali ina mikataba na Monisco ambayo taifa halijue. Kwa hiyo kama kawaida watu wakitembea serikali inatakaka kuwapiganisha, lakini sisi tumejipanga kisawasawa. Akikuja mtu kupie wala kuiba wala kuleta fujo, wazalendo wa mesiani wenyewe tunamukamata, tunampatia polisi. Haturuhusu polisi kukamata mtu wetu. Akikamata mtu wetu, manake pale anataka vita. Kwa hiyo sisi wenyewe tunakamata mtu wetu, mwenye analeta fujo tunampa polisi, anamfunga. Baada ya maandamano tunamsambisha. Kama Monisco itaenda, mtafanya nini? Monisco itaenda kwa sababu hii ni maandamano ambayo inaomba muda mrefu sana. Maana mpango tunao, nafikiri tu usubiri Monisco itaenda. Mungu na mababu zetu wana nguvu, wamewakataa kwenye ardhi yetu, basi wao wataenda, hawana shwa. Nini unaweza kuambia raia wa mji wa Goma? Raia wa mji wa Goma nawaambia sote tusimame kama mtu mmoja, kama vile baba yetu Lumumba, Kimbangu na Kimpavita mama yetu walisema, bila umoja hatuwezi kushinda hii vita, ni kali. Kama leo mauaji iko Beni, mateso mingi, kifo ya Walumumba na waero wengi ilitokana na mipango mibaya ya imperialisme ya nasio zini, yanatumika Mkongo na Mwafrika kutesa wakongomani na Waafrika. Kwa nawaambia tuko utumwani na tunahitaji kusimama sote kama mtu mmoja kujilibere kutoka mwesklavage imperial yanatutesa, ambao pia Monisco wanatumika ndani.
Maanake vita huku ni makali, makali tena makali. Maanake vita inawaka huku bazalendo maake apana. Hatuyona batu saa, hatuyaka depui tuko. Mutu mwaitike defeto na yuwa waibu wangapi wameshukio huku basodawe nye fiyonu bantokiawe wa sniper. Mina kuambia ni vita ya hatari. Hapa saa njoo nina kuambia niko na kuongelesha niko natoka inje. Njoo iko saa mina ona wanabashindwa, wanapunga wanaenda huku. Gari zinayala huku yulu dadangu haiko za muza vite nyeko huku masasi nyeko huku dadangu. Sia isiki ya kako depui niko hapa niko yu natetemeka. Mewiko wanapiga na kwa sabili wapigi ya taa kitu. Batu wenye wiko kumangi kanisenu. Hapana hatuyona watu saba. Depui tuku hatuyona watu saba za lendo. Maake ni hatari wanafunga roho sana. Sana walibanzia depui sizere ba polisie njo walianza. Bakaenda pale kukanisa usubuhi kuwampeshe kie basifanye renyo ya vya marshe vile venye alisema vya marshe ya leo le 30. Ofeti wa polisi waliingia mubatu populasio wakaanza uwaua juko na kwa wazalendo wataogopa wapi. Piga wazalendo masasi wapi, masasi zilikuwa zibakamate. Njoo kuangalia sasa vile wata maltrete ba, wale wainosaba pembeni juu wazalendo wata waache waogope. Mio wapi wazalendo lefe kufujo fujo fujo njoo wazalendo walikamata polisi umoya. Lefe kamata polisi umoya wale wengine wote walikimbia wakia walipita pa kwetu njoo kulikuwa njia viko na kula kwa wale wa polisi. Manake njoo wazalendo sasa walikamata wale polisi kwa mkata kidole kimoya 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 mpaka wale wanangawa na mtosha moro. Njoo konvoi zimekuya seza zile za waibu waibu wa garde presidentielle. Njoo maake wa snaipere viko napiga masasi mwenye siya siki yaka depui niku. Mewazalendo wa bachituke dadangu. Banala njoo mkartie viko wanakuya utana na wapolisie. Wapolisie wanatatula masasi ziko zinadunda sama kaloke. Hapa ni habari kamili. Hakuna maandamano ya amani kwa ngambo ya wazalendo ambayo inapangwa mjini Goma kwa hii siku ya tatu tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu. Thibitisho ni la koordineta wa vijana hawa wanaojiita raia waliojitolea kwa kutetea nchi katika kundi zao za kujipigania. Katika kitangazo kilichowekwa kwa wapasha habari, Alex Mwamba Dunia aliomba raia wa mji wa Goma kuendesha kazi zao njisi wanavyozoea. Hapa alieleza: sisi kama vile wazalendo hatujatuma watu wafanye manifestation. Mwenye atafanya hiyo manifestation kujina ya wazalendo, ninaalika serikali imushiki na mimi nitasamba naye aoneshe kundi la wazalendo ambao lilomtuma kufanya manifestation. Hiyo ni kutafuta kupatia adui njia ya kutuingia katika mji wetu wa Goma. Vita moja tunayo ni ya kutoa adui kwetu. Wale wote wenye kuandaa hiyo manifestation, ninaongea leo siku ya pili tarehe 12. Maanake vita huku ni makali, makali tena makali. Maanake vita inawaka huku bazalendo maake apana. Hatuyona batu saa, hatuyaka depui tuko. Mutu mwaitike defeto na yuwa waibu wangapi wameshukio huku basodawe nye fiyonu bantokiawe wa sniper. Mina kuambia ni vita ya hatari. Hapa saa njoo nina kuambia niko na kuongelesha niko natoka inje. Njoo iko saa mina ona wanabashindwa, wanapunga wanaenda huku. Gari zinayala huku yulu dadangu haiko za muza vite nyeko huku masasi nyeko huku dadangu. Sia isiki ya kako depui niko hapa niko yu natetemeka. Mewiko wanapiga na kwa sabili wapigi ya taa kitu. Batu wenye wiko kumangi kanisenu. Hapana hatuyona watu saba. Depui tuku hatuyona watu saba za lendo. Maake ni hatari wanafunga roho sana. Sana walibanzia depui sizere ba polisie njo walianza. Bakaenda pale kukanisa usubuhi kuwampeshe kie basifanye renyo ya vya marshe vile venye alisema vya marshe ya leo le 30. Ofeti wa polisie waliingia mubatu populasio wakaanza uwaua juko na kwa wazalendo wataogopa wapi. Piga wazalendo masasi wapi, masasi zilikuwa zibakamate. Njoo kuangalia sasa vile wata maltrete ba, wale wainosaba pembeni juu wazalendo hata waache waogope. Mio wapi wazalendo lefe kufujo fujo fujo njoo wazalendo walikamata polisi umoya.
Nivyo kamata polisi wa wale wengine wote walikimbia wakia walipita hapa kwetu njoo kulikuwa njia viko na kula kwa wale wa polisi. Manake njoo bazalendo sasa bali kamata wale polisi kwa mkata kidole kimoya mpaka wale wanangoa na mtosha moro. Njoo convoy zimekuja sasa zile za baibu ba garde presidentielle njoo maake ba sniper biko napiga masasi mwenye si asikiaka depuis niko me bazalendo abachituke dadangu bana ala njoo mkartie biko nakuya utana na mapolisi wanatatula masasi ziko zinadunda sama kaloki. Hapa ni habari kamili. Hakuna maandamano ya amani kwa ngambo ya wazalendo ambayo inapangwa mjini Goma kwa siku ya tatu tarehe 13 mwezi wa 8 mwaka huu. Thibitisho ni la coordinator wa vijana hawa wanaojiita raia waliojitolea kwa kutetea nchi katika kundi zao za kujipigania. Katika kitangazo kilichowekwa kwa wapasha habari, Alex Mwamba Dunia aliomba raia wa mji wa Goma kuendesha kazi zao njisi wanavyozoea. Hapa alieleza: sisi kama vile wazalendo hatujatuma watu wafanye manifestation. Mwenye atafanya hiyo manifestation kujina ya wazalendo, ninaalika serikali imushiki na mimi nitasamba naye aoneshe kundi la wazalendo ambao lilomtuma kufanya manifestation. Hiyo ni kutafuta kupatia adui njia ya kutuingia katika mji wetu wa Goma. Vita moja tunayo ni ya kutoa adui kwetu. Wale wote wenye kuandaa hiyo manifestation, ninaongea leo siku ya pili tarehe 29, yani 11, ninaalika wazalendo wote tukuingia kwa hiyo kundi ya hiyo manifestation. Ule yote ambayo ataingia kwa ile manifestation sio mzalendo. Ule ni mtu mwenye aliwekwa na akakula pesa za adui kwa kufanya hiyo uchafu kwa kumpatia adui njia ya kuingia mjini Goma. Nimeuliza vikundi vyetu vyote vya wazalendo vinaopatikana jimboni North Kivu, wanakana wote viongozi sisi atuhusike na hiyo. Kwa ukumbusho, katika kitangazo kilichowekwa mnamo tarehe 5 mwezi Julai na kilizunguka kwenye mitandao ya kijamii kueleza kwamba wazalendo waliomba wanamemba wake kuweza kulazimisha kuondoka kwa vikosi vya MONUSCO na mashirika zisizo za kiserikali nchini DRC mnamo mwezi Disemba ijayo, kwani hawakufaulu kurejesha usalama nchini DRC. Kuhusu hayo, maandamano ilikuwa imepangwa kwa hii tarehe 13, ila meya wa mji alipinga maandamano hayo na kuomba hata wahusikao na kazi za usalama kuchukua mbinu za kulindia raia usalama wakati wa kazi zao. Polisi mmoja alimaliziwa maisha kwa kujamlia sheria siku ya kwanza tarehe 12:08 majira ya saa 10 za jioni ndani ya kempi ya wahami Pabulengo ndani ya kata Lac Vert. Yote yalitokana na mabishano kati ya mwendesha pikipiki mmoja aliyekuwa amevuka kizuizi ambacho kinawekwa kwenye kempi, na hayo alikuwa amepatwa na shida ya kiufundi kwenye pikipiki yake. Kiongozi wa eneo hilo aeleza kwamba ni ndugu zake waendesha pikipiki waliojiamulia sheria na kumalizia maisha. Ile ndio wenyewe tunalamkia hako leo hapa Goma, ile greve yenyewe ilikuwa natayarishiwa vile vinakuwa ni vya ndosho, wale wanakufia ndosho mgreve leo katrere kabisa, masasi ililia kule sana. Ablesi ni wa mingi wanakufa njo wale ni wa sita. Blesi wote viko kusebe kandoshu, hei wanakufa kwanza njo wale. Atuye utaingia aina leo tena. Majaribu tu dadangu, bali bakuta depuis 4h di matin. Njo polisi, njo ze zilianza. Polisi zilienda kutana bazale. Ava kwanza pale, depuis jana. Maire de la ville alipanda huku yulu. Na wale barisi wakenda onana na wazalendo jana mabusiku. Wazalendo wakasema awezi reporte marche yao, hawa wana shida, wanataka tu juste tu kumarche purke juu ya wale watu wenye walikufaka ba marche nao wawapatie nini respe yao. Wakonesha maire de la ville akewaambia ke mwanile vile ya mamarche. Mubianile musibifanye, munisikie kama muko na bezo ya makuta tutabapatia. Me mwanile vya mamarshi.
wazalendo jana hawakufikia. C'est comme si ni vitu venye walikuwa washapanga gouvernement basi. Njoo 4 du matin njoo polisi zilianza. Njoo zilifika huku yuli kwa sababu zilitaka zibangukie ambushi. Zikaingia makartie zikiwachunga ile ere yenye wataanza kusanyika purke zibatake. Sasa ile ere kumbe huko wenye walikuwa mkanisa na wengine wakaanza kuyakia mwele maere purke wafanye ere nyabo ya marshi. Mkusanyiko. Pale pale polisi zikawaingia, mosikanza vamia. Pale walikianza onaona wayuwayu wainosa. Balikufa victime vile. Mais abu njo balibanza kwanza ba polisi njo balibanza na ba basoda vraiment banabanza banabaletea fujo vraiment na bebinesi tu kwa biko na raison kabisa yabo 100% parce que habakubaita wala habakubamenase hapana. Kila mtu mko naona kabisa vile situation imeanza vraiment bazalendo hapana shida aba basoda njo banataka bajifanye bakwe wa makali kubazidia me vita yenye natakwa iko ya muza yu tunasikia vile baliua mumoya. Aseme kama alimpiga kama masasi miezi juu. Njeni kwa sikia aseme na bambuti kama wa huku hilu nabo viku wanashuka. Aseme na bengine viku watokia saki kama na bengine viku watokia wapi. Njo aseme, tuchunge tu jurnea leo. Bile wanashikamata wa gange, bataonesha nabo kuwabu. Juu awezi waka ni wakongomani, waneza pigansha wenzao wakongomani vile kunini. Chanjo yenye nacha wanakuwa makali hivi ni juu jana maire de la ville wazalendo walikatala makuta zake na proposition yake njoo fujo yenye kwa kumake tu ni Mungu tu na ya ndugu yangu Rajabu na jambo wazalendo wote habari ya asubuhi. Kila mara mimi namsemaka hatuna basoda wale basoda wa FARDC sio basoda bali ni barebele soda mwenye kupita ku formation ni soda bali wote ba terroriste bali wote ni barebele. Soda ni soda mwenye alipita kuformasyon. Soda wapi mshawana kwa mandamano wa populasyon, soda ni andi piga watu masasi. Sunaona kama ni vitu yukua bien prepare. Ye soda bangi kifanya sasa, kwanza tu exige kwanza ba soda bote, ya si soda kwa naonikana mpopulasyon. Ba soda ba hile ba fatana wa mvekua kule. Na basoda bote wande kufunga mipaka na kufatana wa mvekua kule. Soda wezi kala mpopulasyon na bunduki neva mpopulasyon paka ikufe kila siku minapashu wa mpopulisye njyo napashu kufanya sekirite ya minapashu wa kukala mbunduki mpopulasyon mpopulasyon takufa minapashu kukala mmakaza habu kule vrema ni atari ndugu zetu hii vitu sio vitu ya kuikalia kunyamazia tu nona ile nani yote wale basoda bote biko mweste ya Kongo bote este yote ya generali ni batusi wale wa Rwanda bote waliingia kamuli bote wanapashwa kuwatoki na bakongomani biko mwabo deja bashaka mata ideolojia wale wa Rwanda maanje vita huku ni makali makali tena makali maanje vita inawaka huku bazalendo maache apana hatuyona batu saa hatuyaka depuis tuko mtu mwaitike defeti onayua waibu wangapi wameshukio huku wa soda wenye fiyonu wantokia wa sniper. Mina kuambia ni vita ya hatari hapa saa njo nina kuambia niko na kuongelesha niko natoka inje njo yiko saa mina ona wanabashindwa wanapunga wanaenda huku gari zezina yala huku ilu dadangu haiko za muza vite nye huku kumasasi yenye huku huku dadangu siya isiki ya kako depui niko wapa niko yu natetemeka mewiko wanapiga na kwa sabuna wapigi ya taa kitu batu wenye wiko kumangi kanisenu hapana hatuyona watu saba depui tuku hatuyona watu saba za lendo maake ni hatari wanafunga roo sana sana walibanzia depui sizere ba polisie njo balianza bakaenda pale kukanisa usubuhi kubampeshe kie basifanye renyo ya vya marshe vile venye alisema vya marshe ya leo le 30 ofeti wa polisi waliingia mubatu populasyo wakaanza uwaua juko na kwa wazalendo wataogopa wapi piga wazalendo masasi wapi masasi zilikuwa zibakamate njoo kuangalia sasa vile wata maltrete ba wale wainosa ba pembeni juu wazalendo wata waache waogope. Mio wapi wazalendo lefe kufujo njoo wazalendo walikamata polisie umoya. Lefe kamata polisie umoya wale wengine wote walikimbia wakia alipita pa kwetu njoo kulikuwa njia viko na kula kwa wale wa polisi. Manake njoo wazalendo sasa
balikamata ule polisi kwa mkata kidole kimoya 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 mpaka ule wanangawa na mtosha moro njo konvoi zimekuya seza ba zile za baibuba baibuba garde presidentielle njo maake wa snipere viko napiga masasi mwa nyesia siki yaka depui niku mewazalendo wabachituke dadangu banala njo mkartie viko wanakuya utana na wapolisi wanatatula masasi ziko zinadunda sama kaloki ile yote ni mamaiti zenye ziko zinatoka ku kanisa ya wazalendo, kanisa ya wazalendo kabisa, kamanze ya muzima ya kuyala mamaiti wanapakiza sa vile wanapakiza kama sake za mavirai. Wazalendo wale wamepigiwa masasi mubaya sana wakukufa kabisa, njo bale tumebaona siyefeke kumacho yetu. Ile yote ni mamaiti zenye ziko zinatoka ku kanisa ya wazalendo, kanisa ya wazalendo kabisa, kamanze ya muzima ya kuyala mamaiti wanapakiza sa vile wanapakiza kama sake za mavirai. Wazalendo wale wamepigiwa masasi mubaya sana wakukufa kabisa. Jambo waheshimiwa wote wa kiza kitu kya Sorbonne, nasema jambo. Nataka kumuuliza ndugu yangu Lebla kama ni autorite morale wanaboti, sisi wakaji wa Luvungi tumekwisha kusikia na tumekwisha kuona wandugu zetu ambao walikuwa gerezani wamekwisha kurudia na serikali imeamua. Sasa weye kama vile unaweza kuwa mshauri japo huko Luvungi, lakini tuko pamoja kama vile umesema, lakini sisi tuliona kama vile wakaji wa Luvungi, watoto wa hapa tumeona wapatani. Sasa wewe na wewe decision gani unaamua kutokana na hiyo decision ya wazee wamekwisha kuamua wapatani, na audio zote za wazee tumekwisha kuzisikia, lakini wewe unazidi kuchochea hiyo habari. Je, unataka watu tubakie hivi wala tufanyaje? Tubakie tuko na kogotana kogotana, wala kutupiana tupiana mambo kila njoo unaona vizuri wala tufanyaje? Juu saa moja unajitaga ni mshauri na saa nyingine naye unajigeuza. Sasa kama vile mimi na ukamata kama vile mshauri, unaamua aje kutokana na hii dosia na boti na mobia, wafanyaje? Rankine ziendelee wala ziishe? Kwa juu serikali iliamua wote watoke, na venye serikali iliamua tumesikia. Sasa tufanyaje? Yele bla tufanyaje? Ndio kesho yenye utafanya tujibie, kwa sababu tushasikia hizo maudio zote kuanzia hizi dejul tumesikia na watu wote walisikia. Sasa tutaendelesha hizo habari aina wakati tumekushasikia, na wazee wako na prepare namna ya kuwaitisha wote wawili wapatane. We kama utawakataza, kama utawaambia aje, wakiamua kupatana hakuna mwenye atawakataza. Sawa Leblo, tujibie, kwa sababu sisi ndio tuko na sibire, tuko hapa nyumbani, huko najikulia business huko, unalala bien, lakini sisi tuko hapa hatuwezi taka marafiki wa ndugu tujibiani. Huko kanisa bazalendo kumekanja mesia hata huko ni matata sana, basho wa polisi iko deja chini na basodari sisi mikuwa vima fanya intervention mezi na shindikana. Drone zile nimetumana ziko yulu, ziko zina verifeza varisi mevitu wabikamate. Donke hapa kumesiato kukuko dekor, kuko moya ya mzalendo na ingine moya ya polisi. Kukua napikansha batushe polisi misha shindikana. Arme video inyo metumana au pekisikia vile kuna sema, inasema arme iko wapi? Ile arme iko wapi? Si waipate waende nao mbele, viko na bambia waende na majiwe na mikono mitupu. Oro arme ko arme na wekewa pour dire que arme ilikuwa hayatumikishiwa, waisha uwa deja wale watu wote
arme haionekane, yamplise mwenye iko nayo iko sasa alikuwa na busara na iko sasa kulikuwa consigne, basi itumikishe na sionekane hata. Sikia audio yako wewe moya bien. Nani video plutôt si on a video bien usikie audio zile maçon malgré ni mfujo ziko asikikana. Pour dire que population ilikufa ile yote na biko tu mikono wazi biko naenda mbele na arme nyewe haikutoka na arme nyewe haikutumikishiwa. Juna abo mwabo mwale audio biko nafa makondana sio abo kwa biko jikondane. Mungu atutuma mbele tuko naenda mbele bila kitu bila nini. Si audio ile nani ko clear. Wali waingia ndani ndio wakaanza waua bila kusema huo na arme nyewe vile video yao peke ile audio ya mwale video inaonesha kama na vile biko wanagombana biko na gombana hapo mwapo tena biko naanza gombana kwa maneno kusema ki arme haitoki makisha kataliwa kutoka wale wengine wamko mgoma masasi inaanza kotea TPD ma 3h du matin 3h30 pale mama zalendo walikuwa kwa preparation yenye wakutanane kule kwa ile kanisa yao kumsema jorganize ilifuwa toke fasi moya wakona chaita ba mabuwe neba wapi wa dele ambe wa wote wakutanane kwa ile mezo yao ma 5h30 kisha kumbe FARDC polisi walikuwa washafunga ligne de front waone kama tatokea ae batanjia wapi kisha maima katrere walienda atakeka le karadio kawo basi na bakukufa washa kufa na mablese njoba mingi na mamu washa tiwa makamba sayi wakosa kumakotiza kuonitora njo vile ndo tashinda basi mambo ya huzuni kabisa tunaona mafuta ya mandugu yetu vrema tunahusimika sana mvina kwa sahi kabisa huku majengo ukatokea inji sahi umapote umakartie ukapita mbalabala kama tuko kijana wiko na kunasa huku majengo mashunja mvami ya watu deja na huku na sahi na mimi nimeswata kuna siwa sahi hivi hapa niko narudia nyuma nilikuwa niko nashuka kwa msiata amesha niswata hapa niko narudia nyuma ninajenda depose vitu yangu kisha nikuye tu sa vile vingine ndio niko narudia nyuma nenda depose kwanza kumsa na wengine wote ju tuweze kukutana na kumesiata venye hawayafika msikio na mnabeba kitu msikio na mnabeba kitu na hamutafika ju mie nilikuwa na vitu vya mine zaenda navyo me basha nisiata karibu turuwa fua njo mina amua kurudia nyuma ili niende videpoze njo nini kama ndapata njia ya kupita me vrema wanazingira fasi za mingi sana mais tujipe nguvu tujipe moyo mani hakuna wajua nisha toka kubalabala wajua pale kutepede kuna wala wasoda wale wa mupya so ukifika sebeka ndosho na wako na yala wazalendo na unaiko wamesha siku saba mwele masasi wana wawa batu wawu wamesha yuko na wawulozi formasyo ya depuis lobby na zaki na 17 na zaki mega ndeko kodebude kukene kodefa ndeko zwa mwa 100 mega puisque na informeyo abu na uvira deja awa tuwa deja na point ya atake M23 uvira ba prepare deja ba atake biso awa na manisi na fin deja ya mwa oyo deja tuwa nuzwa deja ba presence ya ba tuto iba ngote na kacha mboko operasyon planifiye par general rama na bige na absence na efo ba beta premier force ezo bimanani leo bima Tanzanie vers Obuar a partir de Obuar ba matiti na village Mboko entre Obuar na Mboko colonel oya ba marin azawana na nini na litoral de Obuar
comme on est colonel Abongi. Numéro de téléphone est à 082-96-87-517. C'est mon bimba. Vers littoral, tiba yo kota na mboko. Na mboko, bako kitsa. Wani bako kota, rafora wangwe, eo kene kukoni, kusieje na village Kenya, plage. Ilia trois Kenya. Zana Kenya Kangeta, zana Kenya plage, na Kenya Maki. Bon, Kenya Kangeta pour la mafuta, Kenya nini Maki, na pe pour la mafuta. Kenya plage, ça pour la botte ou traba boire, ba rumongi, ba nini. De place ba yo kita, puisque, ba wana progression, ba la bala mumbimba o ya route principale la biswa. Ya RN5, ba ou se divise ande, moussou souba ke ba kati pong ya nini. Pong ya ya nini ya sanja. Ba kati pong sanja wana. Bache poste wana pona kwa intercalé renfort ya Fizi Baraka. Babimi wana balusa progression barabara ti Uvira. Wana za première force zo ya zo uta oni Tanzania kita ubwa. Vero buar ti ekitia wana nini na mboko. Komanda za na mboko. Kumbu na ye Colonel Kizungu Fabrice. Numero na telefone. 097-53-813-83 de numéro à commandant ou y'a beaucoup à Rwanda. Vous voyez que bateau dans le système y'a au somme à la Congolais à Bambongo. Commandant, il se dit à Bongi ou à Zakuna dans le littoral à Zakongolais. Donc, va placer la forme de Bango et à écouter à partir de boire ce gaz a déjà saisi, ce gaz a déjà enveloppé à Salia. On va faire un peu de base à la chape pour nous bien abattre dans le numéro de notre tiers. On va faire un renfort de la Tanzanie. De deux, renfort et Rubima Rwanda, justement la frontière à Kamanyola. La frontière à Kamanyola. Le deuxième renfort wana. Marwanda est côté vers village qui groupement Kitundu. Kitundu vers ti tout droit vers village Mitamba. Bazobima nani la frontière. Ba koti zamba zamba eni plein ba yo kase na ki na village Mitamba de position ba mati mukie ba ki na Mitamba de sita position yanani ya un colonel rwandais Munyarugo de sika zali bo e pana biso so mati zela mwami obimi papa kijaga. Après Kijaga, nde village wana Mitamba. Bango soko bako yana nzela likolo. Bako bila Mitamba, bako uta yana kolone Munyarugo Rwande oyo. Makari nga makura ti aye ko poste awa na Mitamba awa. Epa kolone Munyarugo. Si mabadivize ande. Grupi ya liboso ya boso na ma Rwande ekiti veri Uvira, centre. Oye kotika na ma Rwande bache barriere. Na village Mitamba na Mijombo, bato ya Mijombo ya renfort, teso bako ya renfort, bako kuta na barriere awa na Mitamba. Oyo ba wande ba planifiye ba tia, puisque ba beta biso sikise vima, ba tike biso ka nzela nini, nzela ya mai. Asi yo Zolanda, ba tike biso ka nzela ya mai. Nde renfort yo kubima na Rwanda ya Ngwana. Siko yo na pleni ya Ruzizi. Ezana brigade régiment ezana régiment ezana na Luvungi commandant régiment na Azar Rwanda yepi a déjà saisi na badosso parce que yenda fungula nzela bato ba ya tiba le ka Luvungi siamba ke domata sika ba ko mata tiba ko kita na village Mitamba
mutamba za position ya colonel Munyargo descartier position na ya odoki bazobeta biso simultanément de yangwana il fallait cause la soupe pour nous n'allait pas conzi mutamba na za position de préparation et d'avancer de ce que vous avez préparé c'est doté parce que de problème zana yango wana en tout cas bakondi no yango yo pour atteindre la bise situation po kobando kobima mboko tiko koma na ville ya Uvira za 45 km pamba ndia ngwana selonga de na otambola sur le terrain na batulanga ba posanga ba message il faut que tu a peut-être il faut te mettre sur une bakondi na ba place lokwa ba Kenya plage wana cha ba orbo kwa saka patrouille autorisé ta ba ran ba bazalendo kwa pesa ngo ba orbo ba sala patrouille na mai dede bazo zwa dotation ya 4 orbo ya bango type ya ma marque ya ma nyoso za 250 et le bima à partir de la frontière yani ya biso ya kamivira mais donné comme on a nani papa mutombo na colonel nani colonel ya biso muzalendo nani John Sikatenda donné comme on a été ébissié qui n'ont 4 hors bord ya 250 et zouta nani et kouta Rwanda et qu'il y a par Burundi, sur Burundi, Tanzanie, ou le cas, et au la frontière. Sauf que moi, il y a un marque type Yama, et ça, 250, j'ai l'air en façon mon robot. Attention, parce que la situation est qu'il y a un cascade, il y a un robot qui est en attente, il y a un robot qui est en attente, il y a un robot qui est en attente, il y a un robot qui est en attente. Le problème, c'est là, il y a un robot. Commandant Maréon, il y a Salia, il y a Bissoua, il y a Ouvira. Je vais déjà motiver ma blog essentiel pour ça, je vais partout de Katiamaï. Déjà, on a message à l'éloi. Donc, qui les cinq, fait moins ou pas bête à l'eau. Déjà, on a pas conçu. Message à l'eau. Dans le cas du général Amaï, à Sali Réunion, à l'objet que non, je vais conçu, de Makamboto, Zoloba, Yangwana. Préparation Batoyo et Bandi. Merci. Commandant de Yalouvungi, Nazana Nandali, na téléphone n'a été. Mais Zana Bazalendo, Bazawana, Baroko, et Balimero Nae. Nazana Limero, ya colonel Yabouar, na colonel Yanin, Yaran, Yamboko, Kazungo, Rwande. Na Limero, Munyargo, Asana village, Mitamba, Deskabako, allié de préparation et d'embarquement à Bango. Dafri, vous êtes toujours avec nous, mais arrêtez-nous, attendons-nous un peu, quand même Isabelle Laberry sur cette dynastie, ce clan qui dirige le pays depuis 1967. Oui, 1967, cette année-là, c'est le patriarche Omar Bongo qui se fait élire président, intraitable, inamovible, il règne sur un petit pays, le Gabon aujourd'hui c'est environ 2 millions d'habitants, un petit pays, mais un pays riche de bois et de pétrole, et ce sont des ressources que son régime paye allègrement, et puis on l'a dit, il devient un pilier emblématique de la France-Afrique. Le clan Bongo est tentaculaire. Omar Bongo a reconnu officiellement plus de 50 enfants à sa mort en 2009. C'est donc son fils Ali qui lui succède. Monsieur Fils, ou Baby Jones comme on l'appelle alors avec un petit peu de condescendance, il est beaucoup moins charismatique que son père,
mais tout aussi accroché à son fauteuil et de plus en plus impopulaire. À 64 ans, il a déjà résisté à un premier putsch raté en 2019 qui avait duré à peu près une heure. Et plus récemment, il avait commencé à donner une place importante dans l'appareil d'État à son fils, Noureddine Bongo Valentin. Vous évoquez, Isabelle, les nombreux enfants d'Omar Bongo. À sa mort, ce clan n'est pas resté soudé. Hein. Ah non, la succession s'est très mal passée. Une fois au pouvoir, Ali Bongo a commencé par écarter sa demi-sœur, Pascaline, ex-épouse du ministre des Affaires étrangères et surtout gestionnaire de la fortune paternelle. Ali voulait surtout mettre la main sur ce patrimoine colossal d'Omar Bongo, si possible en évinçant le reste du clan. Une anecdote en dit beaucoup. En 2012, il fait supprimer les allocations que l'État versait à ses frères et sœurs. Et puis au fil des ans, une trentaine de membres de la famille ou de caciques du régime d'Omar Bongo ont fini par basculer dans l'opposition. Et la famille Bongo incarne un volet important de l'affaire dite des biens mal acquis en France. Oui, la justice soupçonne plusieurs membres d'avoir profité du patrimoine immobilier acquis par Omar Bongo grâce aux commissions occultes de la société pétrolière Elf, depuis absorbée par Total. On connaît un peu le récit, hôtel particulier, villa, véhicule de luxe. Le tout a quand même été évalué à plus de 85 millions d'euros. Certains de ces biens ont été saisis. L'an dernier, l'enquête s'est accélérée. 15 ans après la dernière plainte, 9 enfants d'Omar Bongo ont été mis en examen. Ali Bongo, lui, ne risquait pas de poursuite judiciaire. Il bénéficiait de son immunité de chef d'État en exercice. Isabelle Labéry, ce dossier des biens mal acquis, on en parle sous France Info dans un peu plus d'une demi-heure avec l'avocat William Bourdon, partie civile, dans ce dossier. Tout ce qu'on vient d'entendre de se dire, Nicolas Normand, montre à quel point quand même ce passé fait que la France doit marcher sur des yeux aujourd'hui. Bah écoutez, c'est du passé quand même, c'est-à-dire que c'était terminé depuis pas mal d'années cette affaire. On n'était plus dans cette logique de la France-Afrique et Ali Bongo, comme je vous l'ai dit, avait des relations plutôt distantes avec Paris, donc on n'était plus du tout dans ce contexte. Et ça partait au passé. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron pouvait venir il y a quelques mois, pendant avant la campagne présidentielle, au mois de mars au Gabon, répéter à quel point la France-Afrique c'était du passé et dire c'est pas parce que je viens que je soutiens Ali Bongo. Oui, exactement. Alors, le président Macron était venu pour un sommet sur la forêt, n'est-ce pas? Le Gabon avait au moins cette qualité d'être assez en pointe sur la question du changement climatique et de la protection de la biodiversité. Voilà. Alors, la gouvernance était tout à fait contestable, on le reconnaît, mais ils étaient au moins bons dans ce domaine du changement climatique et de la biodiversité. On a beaucoup parlé ensemble, notamment sur France Info, Nicolas Normand, de ces coups d'État récents en Afrique, ce qui s'est passé au Niger, il y a un peu plus d'un mois, au Mali, plusieurs pays du Sahel, le Burkina Faso. On n'est pas dans la même histoire, là. Non, on n'est pas du tout dans la même histoire parce que là, c'est un blocage politique lié à des élections contestées qui justifient ou qui expliquent plutôt le coup d'État. C'est jamais justifié. Mais au Niger, c'était un coup d'État pour convenance personnelle de la garde présidentielle à un moment où la situation au Niger était en voie d'amélioration sur le plan sécuritaire et économique. Donc le contexte est radicalement différent. Chaque coup d'État a un contexte différent et il ne faut pas généraliser en parlant d'épidémie de coup d'État. Ils ne se ressemblent pas tous. Il y a quand même peut-être, sinon un point commun, en tout cas un lien, l'action ou inaction de pays africains. Là, je note, Bertrand Galichi, dans les réactions qu'il donnait, très peu de réactions de pays africains. Ou peut-être l'inaction au Niger fait que des putschistes dans d'autres pays peuvent se dire, bah, nous on peut passer à l'action. Est-ce que c'est un raisonnement absurde ou pas? Non, c'est pas absurde. C'est-à-dire, en fait, les pays voisins, dans ces situations, ils ont deux réflexions, deux craintes. Premièrement, que le chaos s'installe dans le pays. Alors là, les militaires ont empêché le chaos, je pense, malgré tout. Ils auraient pu avoir un chaos par des émeutes. Il y en avait eu un lors de l'élection présidentielle précédente, en 2016, où il y avait eu plusieurs dizaines de morts. Et la deuxième préoccupation, c'est d'être pas eux-mêmes victimes de coups d'État. Et alors ça, c'est plus difficile à gérer. En Afrique de l'Ouest, la CDEAO, l'organisation régionale, a haussé le ton, a menacé d'intervenir militairement, même si c'est pas crédible. Ils ont en tout cas des sanctions assez fortes. Là, au Gabon, on ne sait pas encore quelles vont être les réactions des pays voisins, mais les pays voisins, ils ne sont pas exemplaires. Le Congo-Brazzaville, où j'étais moi-même ambassadeur, c'est un peu une situation qui ressemble un peu à celle du Gabon. D'ailleurs, il y a des liens de famille entre les deux dynasties. Hein. C'est ce que j'allais vous demander, Ali Bongo, un homme isolé ou pas en Afrique, si tant est que ça a un sens, cette notion.
Chacun est un peu isolé. Il se trouve que l'ancien président Bongo avait épousé la fille de l'actuel président du Congo au Brazzaville. Donc il y a des liens de famille. Et, mais le président Bongo, il est un peu isolé, oui, au Gabon. Il n'est pas forcément très soutenu par ses voisins. Un tout dernier mot, vous évoquiez la réaction française qu'on va regarder de près. Quand Paris dit, je cite Bertrand Gadichet tout à l'heure, le résultat des élections doit être respecté. On est dans quel type de réaction? Minimale ou à l'ancienne? Le problème, c'est qu'il aurait fallu respecter les résultats des élections, mais quels résultats des élections? La déclaration de Paris est ambiguë. Si c'est le résultat officiel, je comprends qu'on ait des doutes sur le respect de ce résultat. Il faudrait respecter la transparence et l'honnêteté des élections, plus que le résultat officiel. Et c'est ça le problème de fond, en fait. Je crois qu'on devrait mettre l'accent là-dessus plutôt. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Nicolas Normand. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de France dans plusieurs pays d'Afrique, auteur du livre Le Grand Livre de l'Afrique, publié chez Erol. Bonjour Lady Kadak. Bonjour à tous. Les nouvelles autorités, ou en tout cas les putschistes, à garantir la sécurité d'Ali Bongo. Et puis il y a également une réaction à l'instant du Kremlin qui dit que la Russie est très préoccupée par la situation au Gabon. Voilà pour l'instant les principales réactions à cette tentative de coup d'État. Monsieur Normand, Nicolas Normand, deux choses peut-être à noter. La Chine, oui, très présente aujourd'hui au Gabon. Faudrait-il parler de la France-Afrique? Aujourd'hui, c'est sans doute la Chine qui est un des pays clés au Gabon. Oui, mais écoutez, il y a une concurrence entre différentes puissances économiques, ça me paraît assez normal. Le problème est plutôt de savoir quelle va être la réaction de Paris, parce que si Paris a une réaction très hostile, c'est normal de condamner un coup d'État, tout le monde le sait, mais si ensuite on se met en position très hostile par rapport aux putschistes, alors même que ce putsch s'explique quand même par un blocage de la situation politique, ça serait encore à nouveau une surenchère au détriment de la France. Donc, et dont la Chine, à ce moment-là, pourrait profiter, peut-être la Russie aussi. Donc il faudrait, dans cette affaire, adopter un profil modéré et ne pas faire de déclarations trop hostiles et trop intempestives si on veut préserver les intérêts français, sachant que le putsch, comme je vous l'ai dit, a certaines justifications malgré tout. C'est une situation de blocage qu'il fallait dénouer d'une façon ou d'une autre. Une logique interne à ce putsch plus qu'à une logique externe. Il ne faut pas avoir la main forcément de pays extérieurs. Non, il n'y a pas la main de pays extérieurs, ça c'est certain, c'est une affaire entre Gabonais, il n'y a aucun doute là-dessus. Une révolution de palais ou y a-t-il une vraie alternative à Ali Bongo dans ce qu'on voit là dans les militaires qui prennent le pouvoir? Il y avait une alternative tout à fait claire. Il y avait un candidat de l'opposition qui s'appelle Albert Onda Ousso, qui était quelqu'un de parfaitement sérieux et crédible. Malheureusement, on n'en parle plus avec ce putsch. Et l'alternative, ce sont des militaires dont on ne connaît pas les intentions et qui, a priori, ne sont pas des spécialistes de la bonne gouvernance, comme on l'a vu ailleurs. Un mot d'Arthur Gadichet. Oui, Nicolas Normand, quelle était la relation entre la France et le Gabon ces dernières années? Parce que l'on sait que pendant des décennies, la France a soutenu le pouvoir en place. Est-ce que cette relation avait évolué? Oui, elle avait évolué. Elle s'était rafraîchie nettement après justement les élections contestées de 2016. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le régime gabonais s'était rapproché du Commonwealth. Donc les relations, ce n'était pas la France-Afrique du tout d'autrefois. C'était des relations normales, mais pas forcément très chaleureuses entre la France et le Gabon. Comme avec le Congo-Brazzaville, on a des relations plutôt fraîches avec ce pays. Alors on va regarder un peu vers le passé quand même, hein. La France-Afrique, c'est 50 ans de famille Bongo au Gabon, juste après un passage par le Fininfo, à midi 20 et Benjamin Recouvreur. L'ouragan Idalia au large des côtes américaines passe en catégorie 4 sur une échelle de 5. Il doit atteindre la Floride dans les heures qui viennent. Des vents entre 200 et 250 km/h sont attendus avec des dégâts potentiellement mortels, alertent les autorités. La France condamne le coup d'état militaire en cours au Gabon, dit Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Les militaires affirment tout ce matin d'être fin au régime. Ils assurent que le président tout juste réélu, Ali Bongo, se trouve en résidence surveillée. Bâtir des consensus et pourquoi pas ouvrir la voie à des
référendums. Voilà l'objectif des rencontres de Saint-Denis autour d'Emmanuel Macron cet après-midi à partir de 15h. Toutes les forces politiques représentées au Parlement sont reçues. Le chef de l'État souhaite organiser un séminaire gouvernemental dans une semaine pour y faire suite. Emmanuel Macron qui s'est entretenu avec le Premier ministre irakien après la mort d'un troisième militaire français dans le pays lundi, tué lors d'une opération antiterroriste. Il réaffirme l'engagement de la France à poursuivre la lutte contre Daesh. Gazprom est à la peine le bénéfice du géant. Non, mon maïcha, osko natafuta nani a ko sous-estimé, ko di sous-estimé mon vie. Et basma toute gloire, il n'a toka kwa Mungu va. Hakuna mtu mwenye ako na madaraka ya kupewa na Mungu. Na mambo yote katika maisha wakati unajitoa na unajiamini, vitu vyote vinaweza kuwa sawa. Hapana kujisugestimia wewe peke, usijidharau, uoneshe kama mlimbalimba ndio anaweza kila kitu, tandiske na yeye alikiaka sawa wewe. Kumbuka sasa mlimbalimba na alikuwa alifungi. Alikuwa nani? Ha? Nini alikuwa na tuonge kwanza kweli. Si Mungu alimuinua? Wakati Mungu alimuinua na njoma anaanza fanya maeve yote juu paske sutia Mungu ilikuwa pale. Pourquoi pas we? Unataka tuonesha kama njoo senyere notre sauveur mwanakuya. Tandis que movi kama una problem na mtu nani mtakaa kufunga mprison na una problem. Ha? Tuache vile ba. RDC, le président Félix Tshisekedi n'a pas dit que le processus électoral de Denis Kadima est fantaisiste. La vidéo qui circule sur les réseaux sociaux est plus ancienne avant qu'il soit candidat président en 2018. Il contestait plutôt la CENI de Corneille Nanga, qui est devenu un terrible opposant radical contre son chef Félix Tshisekedi, le Congolais. Cette vidéo avait déjà suscité plusieurs réactions très négatives que Fatih Beto a craché sur Denis Kadima. Attention, cher peuple congolais, Félix Tshisekedi a un respect indélébile. Au président de la CENI, Denis Kadima, il ne crachera jamais à celui-ci sur ce Congo tchèque connecté. FARDECEM, c'est une armée très forte et grande qui a des capacités de pacifier la RDC en entièreté. Propos du général Titan Pechiko, tenu lors de la mission de travail à Kisangani où il a tenu parade militaire. FARDC, vous êtes censé redoubler les efforts pour pacifier le pays, déclare Chico devant les nouveaux commandos ayant fini la formation militaire. Gershom Kaebe, le Congolais de la diaspora, va doter des gilets anti-balles aux jeunes de la ville de Beni pour l'autodéfense contre les diables à Def. Dès mon arrivée en ville de Beni, ce n'est pas de la magie, c'est une réalité qui sera mise en pratique pour la sécurisation de nos milieux visés par les terroristes ADF, a dit Gershom Kaeben, soucié de ses frères et sœurs qui sont massacrés sans pitié par les MTM. L'UDPS va conserver le plus longtemps possible le pouvoir. Déclaration de Farine Bindou, Serge de l'UDPS. Ce parti politique félixiste ne fera jamais la remise et reprise du pouvoir avec personne, plutôt avec Jésus-Christ. C'est terrible. Chefferie de Ouattaringam, en territoire de Beni, les honorables députés Kadukima Albert, Komelungu Mwanga, Mana Tabou Justin se battent pour l'ouverture du bureau de la Verpen du ministre Mwindon Sanki Boutondom dans cette contrée de la République. Déjà la population de toute la chefferie vibre au rythme de la Verpen. Ces anciens militants du MSR tournent les dos à ces forums politiques accusés d'égoïsme et sont devenus de vrais Sankistan. À Komam, l'honorable Kakule Kalendi Issepa Mouki, accompagné des militants du RCD Kenel, ce parti politique est d'une foule compacte, a déposé sa candidature à la députation provinciale à la CENI ce 22 août. Cette députée du peuple, soucieux de porter la voix de sa base électorale, Goma, au plus haut niveau, comme de coutume, demande le peuple de renouveler sa confiance en lui pour qu'il poursuive ses actions à l'Assemblée provinciale. Car le mandat
mois passé, lui doté à 2018, a été frappé par l'état de siège. Quand l'église Pamouki restera à côté de sa population, a déclaré un habitant de Goma. Le Congo a besoin d'un président, de députés, sénateurs, ministres qui ne bedonnent pas leur ventre. La RDC a un problème sérieux, car nos autorités sont soucieuses de ventre de notre Jeannette Bakwanamaha de la ville de Butembaoui et son hyper empirique qui est là pour vous répertorier. Tournée du secteur de Bomabumbu et séjour à Matadi de son Excellence Modoron Simba. Chers concitoyens du territoire de Mwanda, nous nous adressons à vous aujourd'hui pour vous partager les dernières nouvelles de l'Excellence Modoron Simba, notre dévoué représentant politique. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, notre éminent leader a profité de quelques jours de repos bien mérités dans sa résidence secondaire située à Matadi, en bordure du majestueux fleuve Ambo-Ambo. Au cours de son séjour, Excellence Modoron Simba a eu l'occasion de rencontrer le gouverneur ainsi que les autorités provinciales, discutant ainsi des enjeux cruciaux de notre circonscription. De plus, il a également participé avec enthousiasme à la cérémonie de remise des documents juridiques aux jeunes entrepreneurs, une initiative organisée avec brio par le gouverneur du Congo central. Notre Excellence s'est ainsi impliquée activement dans le soutien et l'encouragement des jeunes talents économiques de notre province. C'est avec plaisir que nous vous annonçons que, ce 30 août 2023, notre cher représentant devra quitter sa résidence secondaire pour regagner sa circonscription du territoire de Mwanda. Son objectif est de poursuivre ses activités de vacances parlementaires dans les secteurs des Asolongo et de la mer, après avoir brillamment achevé le secteur de Bomabumbu. Sachez que l'Excellence Modoron Simba met un point d'honneur à représenter nos intérêts, chers citoyens, avec dévotion et engagement. Il œuvre inlassablement pour promouvoir le développement socio-économique de notre secteur tout en soutenant les initiatives du développement en mettant l'accent sur la jeunesse, le centre d'intérêt du président de la République. En tant que chargé de sa communication et du numérique, je m'engage à vous tenir informé régulièrement de ses activités futures, de ses projets et de sa détermination à servir la vision du chef de l'État, pour l'intérêt de notre territoire. Nous sommes persuadés que, grâce au soutien et à la collaboration mutuelle, nous pourrons surmonter les défis qui nous attendent et assurer un avenir prospère à notre territoire. N'hésitez pas à suivre nos différentes plateformes de communication pour rester informé et participer activement au développement du territoire de Mwanda. Votre voix est importante, et l'Excellence Modoron Simba est à notre écoute. Restons unis et mobilisés pour un territoire fort et florissant. Cordialement, Amos Katali, chargé de la communication et du numérique de son Excellence Modoron Simba. Peuple congolais, je vais parler en français parce que je vais critiquer la diaspora médiocre. La réunion que je suis partie dimanche, j'ai été déçue de voir des jeunes congolais, des baloubas, idiots, qui ne se rendent pas compte de où nous sommes et qui sont venus plaider la cause pour Fally Ipupa pour qu'il puisse jouer. Peuple congolais, j'ai beaucoup de tristesse. Ça ne s'entend pas à ma voix parce qu'il faut que je reste digne. Chekinia n'a pas menti. J'ai contacté une de mes amies qui fait partie de l'Union européenne. Et c'est confirmé que la balkanisation du Congo a été accordée, signée par Caméré et tous ces merdes à la tête de l'État dont Félix. Donc le Nord Kivu, le Sud Kivu, appartient désormais aux Rwandais. Est-ce qu'on va laisser ça? On va pas mettre ça dans notre cœur. On doit se battre. Se séparer de Iyendi, ça va être très très difficile. Mais on n'a pas le choix. Faites exploser tout ça où il y a où y a du pétrole, peuple congolais. Créez des armes. Combien de fois on peut vous dire? Cassez, prenez une bouteille de verre, tu le casses, tu le mets dans ton sac, tu vois, tu poignardes un Rwandais. On est plus de 90 millions. Je demande pas 90 millions d'aller se battre, mais 10 millions de congolais, vous pouvez exécuter déjà les Rwandais qui se trouvent à Kinshasa. Félix n'est pas notre frère. Je suis Moulouba, mais je ne peux pas comprendre ce que Félix a fait. On doit arrêter, faut des actions. Roubaix-Roi, il est mort ou pas, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que Caméré meure. Caméré n'est pas un Congolais. Donc Hamida Chatur va devenir première dame. On vient vous raconter des conneries quand il y a A plus B. C'est ça que je dis, faut pas suivre les politiciens. Merde alors. Quand je disais que Bemba, c'était une merde, c'était un traître, c'était un fils de pute, c'est exactement le cas. Il vient de nous le prouver.
peuple congolais Bemba va être le président de l'Équateur. Sachez que si l'Est du Congo part, les Bengalas, ils vont demander leur indépendance. Les Kikongo, c'est pour ça que Mwana Semi, il est sorti. Il avait déjà écrit une lettre à Kagame pour dire, moi j'ai envie de devenir le président du Bas-Congo. Donc les Kikongo, le peuple Kikongo, l'ethnie Kikongo, tous les Kikongo vont demander leur balkanisation, ils vont partir. Et toi, Moulouba, ma peuple moro, pourquoi on a botamine à ethnie, moko qui zengi? Bah, bolele à ethnie. Pourquoi on a botamine à ethnie, wana? J'ai honte! J'ai honte, putain! Je vais changer d'ethnie, là. Qui va m'accueillir maintenant? Qui va m'accueillir? Je vais aller chez Bangala, bah, au moins, on a toujours Teyoza traître. Je vais aller chez les Kikongo, bah, on va Teyoza, moi, on va traître. Sans savoir que moi, je n'ai rien à voir avec Félix, avec tous ces gens. Ma bella, ma coco, on en a. Et que, à cause d'un bino dans ma corps satanique. Peuple congolais, on a marre. Il faut que vous vous levez. Bon, qu'ils ont qu'ils n'aient pas de besoin dans la bino ma congolais. Comment vous avez pu mettre ta mère à la tête de votre pays? Comment vous pouvez faire des choses comme ça? Est-ce que vous allez penser à vos enfants demain? Est-ce que vous allez penser quel héritage vous allez laisser à vos enfants? Mobutu avait raison. Mobutu perd son âme. Mobutu, il avait raison. Je parle avec mes sentiments parce que j'ai mal au cœur ce soir. J'ai très mal. Mobutu, il avait raison. On peut pas faire confiance aux Tutsis. On peut pas faire confiance aux Maluba. Aucun Maluba ne devait diriger le pays. Comment c'est possible? Comment ça se fait qu'on n'a pas de patriote à la tête de cet État? C'est notre pays, la terre de nos ancêtres. Si tu perds l'Est du Congo, c'est comme si tu perdais un bras. Comment c'est possible d'être aussi bête? Peuple congolais, il faut vous lever. C'est à vous de vous battre. Personne ne va venir se battre pour vous. C'est à vous de prendre les armes, c'est à vous de tuer cet outil. C'est à vous de faire de sorte que cet outil meure, peuple congolais. Vous avez du bois, fabriquez des armes. Vous avez du verre, des bouteilles en verre, cassez-le, ça va vous servir d'arme. Prenez les machettes. Mobutu nous a aidés pour qu'on soit un pays uni. La balkanisation est un plan depuis très longtemps. De 60 à 65, on s'est battu pour ça. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas de viol, pas de massacre. On est le peuple bantou. L'extermination du peuple bantou, c'est tout simplement pour nous remplacer par des gens qui sont sans terre, les Tutsis. Les Hutus, le Cameroun, tous ces peuples bantous, bientôt il n'y en aura plus. On va être fini comme les Australiens ont fini les aborigènes d'Australie. On va être fini comme ils ont fini les Indiens d'Amérique. Battons-nous. Tu habites en France, partout où tu habites. C'est ton pays. Faites des actions. Posez des bombes dans leur pays. Peuple congolais, on doit se battre pour notre pays, c'est pour les générations futures. Qu'est-ce que tu vas dire à ton enfant? Où étais-tu quand le Congo te demandait de l'aide? Où étais-tu quand le Congo avait besoin de toi? Eh ben moi, j'étais là en train d'imaginer de la musique. Peuple congolais, la balkanisation a été signée. Je parle que je viens de confirmer par une amie à moi qui fait partie de l'Union Européenne. Je me suis dit, Shekina dit n'importe quoi. Mais Shekina n'a pas menti. Je ne peux pas citer mon amie. Mais elle est très 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 bien placée. Elle est très 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 bien placée. Elle m'a confirmé ce que Shekina a dit. C'est pas possible. Je ne peux pas croire qu'il y a certaines personnes qui manquent d'amour et de patriotisme pour leur terre. Où vous allez mettre vos enfants? Où? Où ku kanisa bazalen ni kumesi kanjo mesia ta huko ni matata sana. Basho wa polisie iko deja chini. Na basoda alisi ni kwa vima fanya intervention mimi na shindikana. Drone zile nimetumana ziko yulu ziko zinaverifia za barisi. Mais vite on a mis donc, après que je me suis décor, Nos salutations aux membres du groupe. Il nous est permis d'intervenir un tout petit point, tenant compte de la situation qui se passe en Afrique.
Autrefois, nous avons fait des analyses selon lesquelles nous avons pensé qu'il y aurait certaines actions à mener pour changer notre condition de vivre. Entre autres, nous avons parlé de la désolidarisation avec les organisations dites internationales, car celles-ci entretiennent et donc aident les colons dans leur sale besogne à nous maintenir dans cette prise de finition. D'autre part, nous avons parlé aussi voir comment nous sécuriser afin de quitter ces joues coloniales qui est institutionnalisée, bien formalisée de telle sorte que nous n'avons pas d'ici de sortir. Nous n'avons pas parlé de beaucoup d'aspects. Les autres aspects, j'essaie un peu de les laisser. Mais l'aspect qui nous intéresse ces derniers temps, c'est celui de voir comment nous pourrons sortir, parce que tous les ici étaient verrouillés par leurs organisations, en appui avec les organisations internationales, bien entendu. Du coup, de part et d'autre, nous sommes en train de voir le coup d'État pour remettre un peu de l'ordre. Ce système décennie, nous l'avons déjà dit, nous ne sommes pas d'avis. Opposant, pouvoir, commissionner, si. Réellement, si nous étions souverains, ce ne sont pas les termes qui allaient rayonner comme cela se passe ces derniers temps. Comment les élections s'organisent aux États-Unis? Comment les élections s'organisent en France, pour ne citer que cela? Alors nous autres, on doit nous conditionner, nous mettre, parce qu'il y aurait toujours, voilà, non, tel. Et même si c'est le président, par exemple, qui joue avec les colons, ils seront soutenus, ils pourront faire plus de 2 mandats. Même la constitution qui eux-mêmes ont échafaudé, selon leur taillé sur mesure, mais ils essaient un peu d'outrepasser cela. Alors, il y a un temps pour tout. Particulièrement, nous saluons le coup d'État, nous voyons cela comme un désordre organisateur. Parce qu'il n'y avait pas d'issue de sortie, alors il doit y avoir un mécanisme pour lequel nous devrions sortir tant soit peu. Ici, je salue le coup d'État de Gabon, parce que trop, c'est trop. Comment la volonté du peuple est bafouée? Parce que cela est pris en otage quelque part. Il y a un document qui a été échafaudé pour que cela respecte la ligne à suivre. Nous ne sommes pas quand même... nous ne devons pas s'éterniser dans cette bêtise. Alors nous saluons le coup d'État. Donc c'est une manière, donc une réponse à la question qui semblait ne pas avoir de réponse. Mais voilà, un peu aujourd'hui donc. Nous saluons cette manière de voir les choses et consolidons ces acquis. Donc, que demande le peuple? C'est la question que nous devons répondre. Alors que la volonté du peuple soit manifestée. Donc, voilà. Nous voyons que c'est comme ça que les choses doivent marcher. Au nom de la liberté, de la souveraineté et la dignité surtout de l'indépendance que nous voulons. Les histoires, les devoirs. Et vous voyez, une question qui a été posée, j'espère, je ne sais pas si c'est dans le groupe, hein? Si les ressortissants partent, à quoi sert la présence de l'ambassadeur, le cas de Niger? Voyez-vous, c'est un cas de forcing. Hein? On ne veut pas de toi, c'est point barre. Mais non, les gens s'éternisent parce qu'ils savent que, en tout cas, cela est fini. Donc, organisons-nous. S'il y a le moyen de soutenir les actions d'une manière ou d'une autre, faisons-les. Nous devons voir par quel mécanisme nous devrions nous organiser, vivre selon nous, vivre selon notre pensée, que notre culture rayonne, parce qu'elle est notre base identitaire. Voilà un peu ce que je pensais aujourd'hui, avec l'actualité du coup d'État au Gabon, le cas du Niger qui reste un cas de figure parce qu'il est le point de départ déclencheur de notre souveraineté. Les Français ne veulent plus, bon voilà. Quoi qu'il en soit, c'est l'ouragan, donc une mangue qui n'est pas mûre doit totalement tomber. Vous savez que nous sommes la République démocratique du Congo. Nous sommes vraiment menacés. Nous sommes menacés par des terroristes, des M23 à territoire de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo. Et à territoire de Beni, nous sommes menacés par
par les ADF Nauru. Mais le président de la République a dit au peuple, ni wakati ya kujigombania, ni wakati ya population, prendre ma responsabilité, parce que depuis 2014, on nous égorge à territoire de Beni. On nous égorge à territoire de Beni. Les ADF nous égorgent. Et je veux dire à Tony Malouchaï et les Kassongola, le général Kassongo Maloba, et l'AT du territoire de Beni. Ces trois personnes-là que je viens de citer, ils ont déjà créé un autre pays dans une autre, dans la République démocratique du Congo. Ils ont déjà créé un territoire de Beni comme leur pays. Moi, Kassongo, Maloba, et toi, l'AT du territoire de Beni, et toi, Tony Malouchaï, nous, on n'a pas peur de vous parce que à bientôt, vous allez quitter cet territoire de Beni et vous allez nous laisser chez nous. Et moi, je me demande pourquoi, quand il y a des gens de Wazalendo, les gens de l'autodéfense, qui ont besoin de défendre leur pays, leur patrie. Imagine-toi, c'est depuis 2014 qu'on nous égorge, que vous, les militaires, vous êtes toujours là. Et on nous égorge toujours. Vous êtes là, mais on nous égorge. Kuna kwa kaka atake kakidogo kapata hivi muna kimbi. Ifo tukwake nasemesha kweli. Si le ZPDF kiswa a territoire de Beni, kama habiko pale, kumbe nye FRDC hamuna kinye muna juweze yaka. Il ne faut pas chaque fois cacher aux gens la vérité qui est sur le terrain. Donc muna waza kake hatujo ebiote binye binapitikana kama territoire de Beni. Ici récemment à Karuruma, il y avait la population qui a applaudi pour qui a applaudi pour les EPDF, mais Moulitaka va piga masasi. Soit disant pourquoi population inapigia EPDF mais nye na ba tenye ba FRDC. C'est à cause de votre comportement bido que vous affichez sur le terrain. Ndio maana population ya territoire de Beni haiwapenda keten. Moi, d'abord, toi, Tony Malouchaï, moi, je n'ai pas peur de toi. Il faut que tu vois qu'on a quoi. Moi, je n'ai pas peur de toi, Tony Malouchaï. Et toi, Kassongo Maloba, je n'ai pas peur de toi. Et toi, là, t'es du territoire de Beni, je n'ai pas peur de toi. Je suis sur moi, territoire de Beni, je suis sur ma patrie, et je n'ai pas peur de qui que ce soit pour dénoncer vos comportements bido que vous avez sur le terrain. Nye muna wazaka siye population ya territoire de Beni hatona kebe nye muna faku. Ce n'est pas vous. Haiko nye, njo muko na nye, njo nye. Le soi-disant autorité, muko na beba kakao mu territoire de Beni. Muko na beba mambao. Muko na pasulisha mambao mu territoire de Beni. Et vous croyez que tout ça, on ne sait pas. On sait, non? Je sais pourquoi les gens, les autorités, nos soldats ne veulent pas le Wazalendo à territoire de Beni. Parce que, même autorité, ils ont fait comme un nyanga au territoire de Beni. Et ils ont vu que le Wazalendo, vont laisser que leur mission ne puisse pas s'accomplir. Tout ça au sein. Moi, je n'ai pas peur de dire. Moi, je me nomme Jérémy Météo, je suis la voix dans la voix là. Si vous avez besoin de me chercher parce que j'ai dit la vérité, je vous attends et je n'ai pas peur de vous. Là, je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je n'ai pas peur de Tony Malouchaï. Je n'ai pas peur de Kassongo Maloba. Je n'ai pas peur aussi de l'AT du territoire de Beni. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Je suis chez moi. Je suis à République démocratique du Congo. Si vous voulez m'emprisonner parce que j'ai dénoncé ce que vous faites, j'attends. Ni mswa kena waza si yetu na waogopaka. Non, on n'a pas peur de vous. Ici à territoire de Beni, imaginez partout. À Masisi, il y a le Wazalendo. À Rutshuru, il y a le Wazalendo. Je peux dire partout, même au sud Kivu, il y a le Wazalendo. Seulement à territoire de Beni, parce que nos autorités militaires font des désordres là-bas. Ils n'acceptent pas que le Wazalendo fonctionne à territoire de Beni.
Moi, je n'ai pas peur de qui ce soit. Et nous allons demander aussi au président de la République de nous amener de nouvelles unités. On a longtemps beaucoup souffert. Depuis 2014, nous sommes là. On nous égorge toujours. Et nos militaires sont là. Ils ont déjà fait la guerre de Beni comme une sorte de commerce. Banacha ka population ina kufa abo banafanya byabo. Ces gens-là exportent des cacao, il va des cacao, il va de planches, il va des bois, ils nous laissent mourir comme de vaches. Ils nous laissent mourir comme des animaux. Et quand il y a des enfants du territoire de Beni et qui veut s'en occuper, tout en bas, on a peine à Bagombani et Indiabo, quoi, les autochtones, ils éprouvent Bakamata comme des milices. Et pourquoi chez nous, quand on veut se défendre, on dit non, tu es milice. Moi, je veux dire aux autorités provinciales, tant que nationales, il faut que vous puissiez nous amener de nouvelles unités. Nos soldats qui ont besoin de protéger la population. Pas Tony Malouchaï, pas Kassongo, pas l'atelier du territoire de Beni. Parce que ces gens ici croient parce que nous sommes dans l'état de siège, ils vont nous piétiner. Ça, c'est la dernière avertissement. Nous sommes chez nous. Ici, c'est la voix dans la voix, Saouti Ndani ya Saouti, Angenyoka Isikulume. Maman Pasiasa, c'est un Muzalendo qui veut défendre chez lui. Les ADF nous attaquent. Et quand les gens s'abattent dans la mouka, Dieu a je protégé, on devient des milices. Tout ça, c'est un Dieu qui a alors que depuis 2014, on nous égorge. Vous êtes toujours là, vous déambulez, vous pensez comme vous voulez. Quand il y a des morts, quand on égorge, vous venez faire seulement, vous venez compter des cadavres, vous venez avec des convois, vous venez compter des cadavres et puis vous quittez, vous rentrez. Même ça, même attaque ou koutafta adoui. Alors, nous n'accepterons jamais les gens qui nous manipulent, les gens qui sont là pour leur intérêt personnel. Les gens qui sont là pour leurs intérêts personnels, les gens qui sont là, qui l'ICCN dicte. Je vous ai déjà dit que nous n'avons pas besoin de Kassongo, les Malobala, c'est un corrompu de l'ICCN. Monsieur, moi je ne veux pas perdre toi, même si tu es armé, comment? Mais moi j'ai un an. Je suis là, je suis un vrai patriote. Je suis un Mouzalène, j'aime mon pays et je n'ai pas peur de qui que ce soit pour dénoncer le mal que vous, les autorités, soi-disant autorités du territoire de Beni, vous menacez la population. Je n'ai pas peur de qui ce soit chez moi. Ici, c'est la voix dans la voix, Saouti Ndani ya Saouti. Je répète encore, ici c'est la voix dans la voix. Ça image mutume mu groupe zote zinakuwa kama haika kwa mu groupe aba commerce utume image mpa ifike kwa Kisekedi mujikaze mwe mko ate kwa groupe ya kanisa tume image juu étranger tume bana wa watu wapata hapa monisco tume bana wa watu wapata hapa Congo vraiment hapa kama gouverneur militaire aende ni swate Kisekedi anapata echeke munoro Kivu mzima arme video nyuma itumana au peke sikia vile kuna sema inasema arme iko wapi ile arme iko wapi si waipate waende nao mbele biko na baambia waende na majiwe na mikono mitupu ro arme ko arme na wekewa pour dire que arme ilikuwa hayatumikishiwa waisha huwa deja wale watu wote arme haionekane e en plus mwenye iko nayo iko sa alikuwa na busara na iko sa kulikuwa consigne basi itumikishe na sionekane hata sikia audio yako wewe moya bien nani video plutôt si on a video bien aussi que audio zile maçon malgré ni mfujo ziko asikikana pour dire que population ilikufa ile yote na biko tu mikono wazi biko naenda mbele na arme yenyewe haikutoka na arme yenyewe haikutumikishiwa
juna abo mwa abo mwale audio biko viko viko na fama kondana sio abo kwa viko jikondane mkwa tutuma mbe tuko naenda mbele bila kitu bila nini si audio ili nani kuklere wali waingia ndani njoba kanza waua bila kusema oo na arme nyoe vile video ya upeke ili audio ya mwale video inaonesha kama na vile viko wanagombana viko na jigo viko na gombana abo mwa abo tena viko naanza gombana kumaneno kusema ke arme haitoki makisha kataliwa kutoshewa juu ya nani mimi baisha baua bapata vile ndio si unafona unafuata kwanza na hivi huko atumana hivi peke mimi nadutaka sana na hapa banyabungu hapa babisimu hapa si mwingine bisimu kwa kule kwa M23 na hapa banyabungu dobo si ni kipastere kibandi sinjo anaujisha watoto hapa tu sa dizamu za lendu huyu kama ni pastere kama ni mtu gani si huyu pastere muzalendu huyu kama ni munyabungu huyu bisimu huyu si ni munyabungu wa banyabungu njoo benye banakuwa kwa batretre munawazio munyabungu kabisa nani kutimi neza muitika huu munyabungu huyu bisimu huyu mwurishako na bazalendu wa kinyabungu viku wapa wapi huyu bisimu hawa si njoo batretre hawa njoo bale tu benye viku kule na M23 hawa wa bisimu hawa na huyu generali huyu mwenye aliangushaka nani mwali angushaka bunagana huyu nani huyu huyu Chirimwami huyu Chirimwami sinjo tu hapa babisimu hapa ha ange na huyu mwanaume huyu watoto wa watu njoo wananja anguka ushako na marsha yapi yenyewe anguka kama watoto wapata hivi Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka kimia na mulinga na yo. Luka tebetolama. Hallelujah. Murenge. Iki gihugu umurage wa basogokuru ati mwana mukundwa hari uzororokera ariko kubwo kubana n'umwanzi uhanda kurusha amahwa sago zabaye nyinshi ubwo nza kwisanga imahanga iyo mwana arira nyina ntiyumve ndagukumbuye gakondo kumbuye ibyiza byawe murenge imisozi myiza cyane amashamba ya kimeza umuco wawe ntagereranywa akayaga ko kumirambi wewe kabando kabagutuye sinzagoheka na rimwe zahora mwibuka murenge nibunda bihogobogo minembwe indondo yose kugeza mu rurambo kiya naho niho twavukiye helicopters tip tia mama murenge murenge gakondo ya ibyiza bigutafite aho niho twisoko zo gusura na nawawe murenge
Merci Tambwe Justin, cousine Sophia. Isara munishi kuwa na twakuranye cyane cyane bene murondanye. Thanks producer Prosper. Imurenge niho nakuriye mu kirango. Byiza byiwacu. Mwese ndabakunda. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Luka Kimiana Moringa Nayo, Luka Tokotelama. Hallelujah.